Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous parlions que le doctorat ruine ta santé mentale et que ce n'est pas surprenant. Nous avons vu de nombreuses études qui corrélaient la dépression avec le doctorat. Et dans cette vidéo, ce que j'aimerais faire, c'est prendre un des facteurs, parler d'un point, souligner un point qui me semble assez important. Donc, comme on l'a vu, il y avait plusieurs facteurs qui étaient associés, corrélé avec les symptômes dépressifs, le syndrome de l'imposteur, la qualité de la relation avec le superviseur, le nombre d'heures travaillées, le perfectionnisme, la solitude. Et je parle de ces différents points dans la vidéo d'il y a quelques jours. Mais il y a aussi le nombre d'heures travaillées, dont je parle dans la vidéo d'hier. Mais il y a un autre point dont j'aimerais te parler, c'est ce petit tableau. C'est ce tableau dans lequel, si tu lis l'avant-dernier point, la question qui était posée au doctorant était: je pense que développer des problèmes de santé mentale est la norme pendant la thèse. 42,3% des doctorants ont répondu que c'est vrai. 32,3% ont dit que c'est faux. Et il y en avait 25,4% qui n'étaient pas sûrs. Ça veut dire qu'une majorité de personnes, de doctorants, pensent que c'est normal d'avoir des troubles de santé mentale. Ça nous met en lumière sur un aspect fondamental qui est la mentalité dominante du milieu académique, l'impression que souffrir est normal. On entend ça de la part des doctorants. Si tu n'as pas souffert pendant ton doctorat, c'est que tu n'as pas vraiment vécu ton doctorat. C'est une idée, c'est quelque chose qui est présent, un peu dans la culture. Et c'est important en tant qu'individu de s'en éloigner le plus possible. T'es pas obligé de souffrir pendant ta thèse. C'est pas obligé d'être une expérience mauvaise. Et je pense que la première étape pour ne pas passer une mauvaise thèse, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui vont jouer un rôle, mais la première étape, c'est de ne pas avoir ce discours interne. C'est de ne pas avoir ça dans son état d'esprit. Avoir ça dans son état d'esprit, ça peut engendrer un certain nombre de choses. Ça peut engendrer que tu as l'impression, comme je le disais, que c'était normal de souffrir pendant la thèse, que faire des journées de 60-80 heures, c'est normal par obligation, que tu dois sacrifier ton bien-être pour la recherche. Et le truc, c'est que si tu penses ça, ça va commencer à devenir une vérité, ça va devenir ta réalité. Si tu penses que les choses que tu fais pendant ta thèse maintenant sont normales, sacrifier ta santé mentale, ne pas faire de sport, ne plus faire d'activité, passer 80 heures par semaine, eh bien, ça va être ta réalité, parce que tu as décidé que c'est normal et que ça doit l'être. Et cela va engendrer beaucoup de choses. Ça veut dire que si tu penses que tu dois travailler 80 heures, peut-être qu'en fin de journée, il est 16 heures et tu es déjà KO, tu n'as plus d'énergie pour faire autre chose, mais tu vas rester au bureau. En France, les gens, ils restent au bureau, ils restent assis. Je connaissais beaucoup de gens qui restaient plus tard le soir, 18, 19, 20 heures, pour avancer dans leur recherche un peu plus. Ils travaillaient le week-end pour avancer un peu plus. Mais si je te le dis, il y a peu de chances que ça t'aide de travailler bien plus. Au final, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte vraiment. C'est la manière dont tu travailles. C'est pour ça que travailler plus tard le soir, bien sûr, dans certains cas, ça peut t'aider. Parce que tu as un certain projet à terminer ou tu as une certaine bourse que tu veux rédiger. Mais si tu es dans on va dire dans le flow classique de la thèse, tu n'as pas besoin d'avoir des semaines trop intenses de manière continue. Il y a des périodes plus intenses et moins intenses pendant la thèse, c'est vrai. Mais tu n'as pas besoin d'avoir des semaines constantes à 80 heures. Tu n'es pas Elon Musk. Et par contre, à l'inverse, si tu abordes la thèse en pensant que c'est possible de s'épanouir, que tu peux avoir des semaines plus relaxes, que tu peux avoir un week-end de 3 jours une fois sur deux, ou tout le temps, si tu le désires, que tu peux terminer tes journées à 16 heures, eh bien tu vas créer les conditions pour lesquelles ça va devenir possible. N'oublie pas la loi de Parkinson stipulant que plus tu prends de temps pour faire une tâche, moins tu vas être efficace. Et moins de temps tu prends pour faire une tâche, plus tu vas être efficace. Donc, pose-toi la question, comment est-ce que je veux que ma thèse soit? Dans mon cas, par exemple, récemment, j'ai décidé que je voulais terminer mes journées à 16 heures, que je voulais terminer mes journées de postdoc à 16 heures. Et du coup, j'essaye de mettre en place les actions que je dois faire dans la journée avant 16 heures pour terminer les choses que je dois faire avant 16 heures.
Et en fait, je vais te dire dans quelques semaines la résultante, mais je ne pense pas que ça va réduire ce que je produis par jour. Parce que je vais juste être plus organisé, perdre moins de temps, être moins distrait. Me dire, ok, je dois faire ci, ça. Et justement, juste les faire. Quand j'étais en Australie, beaucoup de professeurs partaient à 15 heures. Et c'était normal. C'était normal de partir à 15 heures. Donc pose-toi la question, à quelle heure est-ce que j'aimerais partir? À quelle heure j'aimerais terminer ma journée? À quelle heure j'aimerais commencer ma journée? Bien sûr, si tu commences ta journée à 10, 11 heures, peut-être que 16 heures c'est un peu tôt, à moins que tu arrives à tout faire en 5 heures. À toi de voir. Peut-être que tu n'aimes pas travailler l'après-midi, peut-être que tu veux juste faire quelques heures le matin, quelques heures le soir. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour toi. Bien sûr, ça va dépendre si tu as des expériences, etc. Mais prends le temps de te dire comment veux-tu travailler chaque semaine? Prends le contrôle. Ton doctorat ressemblera à ce que tu décides ou à ce que tu laisses les autres décider pour toi. Est-ce que tu laisses la culture ou l'idée reçue du doctorat décider pour toi à quoi le doctorat va ressembler? Mais moi, ce que je te conseille, c'est de prendre les décisions par toi-même et de décider d'en faire une belle expérience. Donc, il est temps de changer si tu as ces problèmes. Si tout va bien, bah, tant mieux pour toi. Mais si tu veux changer, eh bien, voici un petit guide, une petite solution. Bien sûr, il faudra aller plus loin. Pour aller plus loin, eh bien, je t'invite à suivre mon programme Avancer dans sa thèse qui reprend ces différents points. Donc, tu vas sur mon blog Vaillant Doctorant, formation pour doctorant, et tu vas voir tous les points que tu as besoin de suivre si tu veux justement résoudre ce problème. Mais dans un premier temps, tu dois te dire, je veux devenir l'architecte de mon propre doctorat. Je ne vais pas suivre toutes les idées reçues, tous les clichés. C'est moi, je veux m'accomplir moi et je vais décider comment mon doctorat va être. Donc, en premier temps, tu dois éliminer les pensées parasites, toutes ces pensées qui viennent, toutes ces pensées nuisibles. C'est normal de souffrir en thèse. J'ai tellement de chance d'être ici, je dois travailler dur et tout sacrifier, sacrifier tout le reste. Je dois tout faire tout seul parce que c'est ça être un vrai doctorant, un vrai chercheur. Alors que c'est pas ça être un chercheur indépendant. Un chercheur indépendant sait quand il doit demander quoi à la bonne personne. Demander quoi à qui? Il sait quand demander. Il ose demander. Je dois dire oui à tout ce que mon superviseur me demande. Tout ça, ce sont des pensées limitantes, de mauvaises pensées. Ton projet est ton projet. Bien sûr, si le superviseur a un financement selon le pays, tout cela peut jouer. Mais si tu as ça en tête, ça te libère déjà de te dire que tout cela n'existe pas. Enlève toutes ces couches de culture, d'idées reçues et crée ton propre doctorat. C'est ton expérience. Au final, chaque doctorat est unique, chaque expérience est unique et chacun doit trouver ce qui fonctionne le mieux pour lui. Et une fois que tu as réussi à enlever ces pensées, il sera temps de façonner ton doctorat à ton image. Donc voici quelques questions à te poser. Quels sont tes objectifs concrets? Que veux-tu faire pendant ta thèse? Est-ce que tu as une certaine technique que tu veux maîtriser, une certaine approche scientifique? Que veux-tu accomplir pendant ton doctorat? Concrètement, pourquoi fais-tu un doctorat? Que veux-tu accomplir? Que veux-tu faire dans le futur? Combien d'heures souhaites-tu vraiment consacrer à ton doctorat par semaine? Est-ce que c'est réaliste par rapport à tes ambitions? Une fois que tu as défini ta vision, bien sûr, partage-la avec ton superviseur. Si ce dernier te dit que tu ne peux pas être l'architecte de ton doctorat, eh bien, essaie de comprendre, discute avec lui. Pourquoi est-ce qu'il veut te contrôler? Pourquoi il pense que tu n'es pas capable de prendre tes propres décisions? Bien sûr, laisse la sagesse des anciens. Écoute la sagesse des anciens. Écoute ceux qui sont passés par là pour comprendre ce qui est le mieux, ce qui fonctionne le mieux par rapport à tes propres attentes. Mais ose avoir cette discussion courageuse. C'est important. Tu dois discuter avec ton superviseur de toutes ces choses-là, de comment va être ta relation avec ton superviseur, de comment tu vas gérer tout cela. Donc si tu es malheureux et souffres dans ton doctorat, demande-toi si c'est pas parce que tu es en train de vivre le doctorat de quelqu'un d'autre. Reste fidèle à ce qui compte pour toi, crois en tes objectifs et tu trouveras ta voie. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer ton doctorat. Il y a énormément d'autres choses. Le superviseur, comme on l'a vu, le syndrome de l'imposteur qui vient de prendre surface. Les expériences, les résultats qui n'avancent pas, Covid-19. Il y a énormément de choses que tu ne peux pas influencer. Et une des choses à se dire, c'est que dans la vie, tout s'arrange. Il n'y a jamais de vraie raison de se biler. Et ça, c'est dont je parle dans un autre de mes articles que je t'invite à aller voir. C'est qu'au final, tout ce que tu peux faire lorsque quelque chose se présente à toi, c'est la manière dont tu vas y répondre. La chose est arrivée, la chose s'est produite, et maintenant elle est là. Et c'est à toi de décider de ne pas te laisser détruire par ce qui vient de se passer.
et te dire, ok, comment je peux avancer malgré ce qui vient de se passer. Et sur ce, je t'invite à commenter comment est ton doctorat aujourd'hui et comment tu aimerais que ton doctorat soit dans le futur. Et je te dis à bientôt. Ciao!